Salut tout le monde. Hello. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau retour de course. Alors, on sait que ça fait beaucoup de retours de course ces derniers temps. Ne nous en voulez pas, c'est un concours circonstance, on peut dire ça comme ça. C'est parce que, voilà, vu que, bon, bref, je vais pas m'étaler dessus, mais... C'est pas ça chez nous en ce moment, du coup, niveau contenu ça suit pas, mais on va s'y remettre, on va se refaire, vous en faites pas. Patrick Boussou. C'est ça, et voilà, du coup, bon, bah, on sera pas sur les retours de course, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, voilà, chacun est libre de regarder ou pas, mais voilà, ça fait toujours quelque chose à regarder. Oh, on commence du coup par le frais du surgelé comme d'habitude et c'est un drive de chez Leclerc. Voilà, parce que Michael est en vacances et sa règle d'or quand il est en vacances c'est bien évidemment de ne pas aller faire ses courses là où il travaille comme on le fait habituellement quand il travaille. C'est logique. Donc c'est un drive et puis voilà, ça va plus vite. Voilà, il était prévu à 9h, il est 9h15 même pas. 9h30. 9h30, voilà. Donc voilà, on commence. Et ce qui est bien, c'est que ce soir-là, il n'y a pas un choix. Bah, c'est j'étais, ça. J'étais tout seul, j'ai choisi mon... ouais. Où je voulais garer ma voiture. C'est pratique. Mais on voulait pas non plus pour ma dégaine, j'avais détaché mes cheveux, mais en fait, rien qu'à descendre les courses de la bagnole, je fais pas un coup de chaud. Et il fait bon là. Ah non, mais. On n'a pas 40 degrés comme certains vont avoir aujourd'hui où on tourne, mais. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche de faire le. Ah oui. D'abord le surge. Bon, il n'y a pas grand chose de surge parce qu'en fait c'est un complément de course, voilà. On avait déjà pas mal de choses dans les placards ou dans le frigo. Bah c'est ça, en fait on a fait nos stocks, on a listé ce qui nous manquait, ce dont on avait besoin, des recettes qu'on voulait faire, etc. Donc, voilà, chose que l'on n'avait plus et qui est de saison, le bac de glace. Donc là c'est... Vanille pécan, voilà, les glaces Parc Repère, elles sont très bonnes. Et moi, c'est vrai que je suis pas très sorbet aux fruits, mais alors tout ce qui est vanille, chocolat, caramel et tout, j'adore. Mmh. Et on a repris, on en propose souvent, du poisson comme ça cuisiné en barquette. Alors là, c'est à la Florentine. En général, c'est à la Bordelaise ou... pas Basquaise, mais Provençale. Mmh. Et puis là, je me suis dit, Florentine, ça va changer. Donc, on en a pris deux. Ce sont des barquettes individuelles. Et vous voyez, ils disent deux personnes, mais bon, les bouts de poisson, en général, ils sont... Ouais. Donc, nous, il nous en faut une bonne part. Bon. Pour des wraps, on s'est pris de la truite fumée. Parce que, voilà, saumon... Enfin, moi, je préfère le saumon, perso. J'aime la truite aussi, mais je préfère le saumon, c'est plus gras. Pour, voilà, des wraps, mais ça sert à tout. C'est, vous savez, les tranches, les mini-tranches déjà découpées. Très pratique pour les wraps. Ouais, c'est ça. On s'est pris aussi, exceptionnellement, des steaks hachés bouchés. Enfin, burger moelleux. Pour des burgers, si vous avez suivi sur Instagram, au pire, voilà, venez nous rejoindre sur Instagram, enfin surtout moi. Je publie assez régulièrement et vous loupez sûrement des trucs. Donc, voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant que j'avais prévu d'aller chez Burger King. Puisqu'ils ont sorti des burgers en collaboration avec Michel Saran, qui me faisait de l'œil. Parce que moi, j'adore ce gars déjà. Et que, voilà, la recette était sympa, bref. Sauf que ça a son prix et que c'était pas forcément qu'une priorité que de dépenser cet argent là dans des burgers. Donc on s'est dit on va refaire la recette à la maison. Donc on s'est pris deux bons gros steaks et de quoi faire le burger qui m'avait tapé dans l'œil, qui est celui aux chèvres. Vous avez la version mozzarella et poulet. Donc voilà, les steaks, on s'est dit tant qu'à produire un burger de chef, autant prendre du vrai steak. Et non du surgelé. Et encore, oui, c'est même pas du vrai steak de boucherie. Ah ben non. Bon, voilà, les gens, on voulait pas mettre du surgelé dedans. Non, c'est ça. Ça, c'est les bons steaks bien épais qui font un bon burger. Du jambon, là, vous avez l'habitude, on en prend toujours par 8 tranches, ça sert à tout. J'ai eu envie de knacky. C'est en ce moment régression time. Hein. Voilà, donc j'ai repris un petit paquet de knacky traditionnels de chez Erta parce que j'aime pas les sous-marques, bizarrement. Je
crois que c'est un des seuls produits que j'aime pas en sous-marque. Elles ont jamais le même goût d'une enseigne à l'autre. Donc j'ai pris de la marque hein, pour être sûr de les manger. Et pareil, pendant un moment je prenais les VG, mais là j'avais un vrai de vrai knacky. Donc à manger avec chaud en, avec de la purée ou froid en salade. Du jambon à griller, ça c'est pareil, c'est un truc qu'on fait pas trop souvent parce qu'on mange déjà beaucoup de porc en temps normal. Mais voilà, l'été ça se prête à ça. Pareil, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'en avais pris. Enfin, je prends souvent ça au resto quand je sais pas quoi prendre. Oui, avec des frites, ça passe toujours. Ah, et puis c'est pas toujours donné. Là, ça va, ils en font en marque Roper maintenant. Oui, sinon c'est la marque. Je sais plus, c'est quoi la marque. Donc le deuxième. Ah oui, deux tranches chacun. Oui, oui. Je suis en train de bugger. Des petites crevettes, vous allez voir après qu'on a pris des avocats. Moi, je ne mange mes avocats qu'avec des petites crevettes comme ça, de la mayonnaise ou du charami. Du tartinable. Voilà pour les wraps pour adoucir la truite. Parce que la dernière fois, on a fait avec du boursin, c'était assez salé. Alors c'est bon mais c'est salé et j'avais pas envie de forcément... Tu remets tout le temps du boursin. Ouais, ouais, quand on fait de la truite, ouais. Donc voilà, avec du prime frais, enfin nature. Comme ça, vu que c'est une grosse barquette, ça va servir après comme fromage pour avant le dessert. Donc comme d'habitude, on fait notre sub de... Fromage. Des mentales râpées, voilà, pour les petits chapelets, parce que au pire, voilà, comme on en utilise moins à cette saison, ça évite de perdre. Voilà, du bouc. Donc qu'on a pris surtout pour les burgers, mais qu'on mangera aussi à côté parce que le chèvre, c'est un de nos péchés mignons. J'en ai marre des poils de chat. Poils de chat, ouais. Il y en a de partout. C'est, tu peux pas mettre un vêtement sans qu'il y ait des poils, tu peux pas prendre un truc sans qu'il y ait des poils. Il y a des poils dans les poils. La joie d'avoir des animaux. C'est terrible. Et encore, on n'a pas un gros chien. Ah non, 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 mais Crispy, il se gratte de partout, il envoie des touffes de poils, je vous raconte pas, ça a été un enfer. C'est vrai que c'est matin, il y a des poils. Oui. J'ai retrouvé une belle. Ouais. Non, mais il y a des poils partout. Il faudrait passer la roulette tous les jours, la roulette adhésive. Hein. C'est même un vêtement propre, il y a des poils dessus. Ce qu'on a pris, donc, notamment pour le burger et qu'on mangera aussi à côté, simplement en salade. De la roquette. Surtout que c'est genre de salade que j'aime bien. Mais bon, tout ce qui est laitue et tout ça, je suis pas fan. Le roquette est moche, oui. Les tranches de fromage en plastique, comme d'habitude. Pot de crème fraîche légère, 15% de matière grasse. Moins cher que celui de chez Ecoplus. Oui, oui. D'habitude, je casse la tête à prendre Ecoplus et je me suis rendu compte que celui-là, qui est la même contenance, c'est juste marque Robert en fait, est moins cher. Mais il y a deux, trois trucs comme ça dans nos courses, finalement, le marque Robert était moins cher que l'Ecoplus. Ouais, ouais, ouais. Et le stock de. De crème. De crème en brique, crème liquide, semi-épaisse, légère. Oui, légumes maintenant du coup. Alors donc comme on disait tout à l'heure avec les crevettes, donc les avocats, deux avocats mûrs à pois. Parce que avec les avocats on ne sait jamais comment ils sont et combien de temps il faut qu'on attende pour les consommer. Donc moi je préfère les prendre direct mûrs à pois. Des bananes du coup. Pour une salade de fruits. Oui, puis à manger aussi comme ça. Abricot. Une petite barquette d'abricot. Voilà, je prends petit pour éviter de gaspiller. Ouais, parce que bon, là, les dernières qu'on a achetées, on en avait plus, on a réussi à tout manger parce que ça se mange tout seul et qu'on peut en manger plusieurs. Mais en plus, je remarque qu'elles sont pas petites. Hein. Non. Elles sont belles. Elles ? Ils sont beaux. Ça va, toi ? C'est une pêche et un abricot. Bah oui. Elles sont tellement grosses que j'ai cru que c'était des pêches. Bah voilà. Mais c'est pas grave, c'est bon quand même. Une grappe de tomates. Pour les salades, les wraps, les burgers. Je me suis repris un concombre. Des pêches jaunes. Voilà, par 4. Qui sont belles aussi. Pareil, vous voulez pas en prendre trop. Des kiwis. Ah, des kiwis. Hein. Des kiwis. Bon, alors tout est pas français. Hein. Mais pareil, salade de fruits à manger comme ça. Des kiwis de farine parce qu'on se remet à pâtisser un peu. Voilà. Parce que jusque-là, on n'a acheté qu'un seul paquet à chaque fois. Bon, la farine, ça se perd pas non plus. Non. Pas au point de ne plus du tout en utiliser.
champignons, on aurait pu. Mais oui, je voulais des champis pour manger avec du poulet, ouais. À la crème, avec, donc j'ai repris. Et c'est bon, il reste du poulet. On a repris du pesto, c'était pas prévu, mais il y en a dans les burgers chez le Saron. Ah, c'est pas perdu, on adore ça. Oui, de toute façon, le pesto, je peux en mettre dans beaucoup de choses. Tomates séchées, pareil, pour les burgers. Et puis, on a... c'est vrai que des fois, on en veut même pour mettre dans des... dans les salades. Ouais. Donc, c'est pas mal aussi. Pour faire des wraps, des ferments lactiques. Pour les yaourts. Pour les yaourts. Pour le petit plaisir coupable... des tablettes de chocolat, donc celles-là elles sont aux céréales. Le plaisir coupable de madame, du Lindt création menthe frappée. Et il n'y a pas que la menthe frappée. Sauce bolognaise, alors ici, enfin tomate cuisinée et tomate de saison. Je voulais changer de sauce parce que j'en ai un peu marre de la bolo classique. Et il n'y a pas tant de choses ça autre que la tomate. Enfin, c'est que des sauces à base de tomates, genre provençal ou du pesto. Il faudrait qu'ils fassent d'autres sauces caille avec des pâtes. Après, sinon, je pense que celle qui se rapproche moins de la bolo, ça va être la provençal. Parce que, à mon avis, ils doivent mettre de l'aubergine. Ouais, bah oui. Comme mais... ça, genre ratatouille. Ouais. Bon, on a pris ça. Mickaël s'est repris de la sauce bourguignonne, ouais, il adore ça. Je me suis pris des tartines, la boulangère tartine spéciale campagne pour déjeuner. J'en ai marre du pain de mes classiques. Du riz, voilà, riz classique long. Spaghetti, classique aussi. Les pains burgers pour les burgers, voilà, pain burger brioché aux graines. De la agar agar, pareil pour faire panna cotta ou toute autre chose, mais en général je m'en sers pour les panna cotta. Pareil, je suis à fond de cale. Pain au chocolat x2 pour déjeuner. Et le petit lot des blis qui va bien pour les salades et à manger comme ça. Mais en général, c'est pour les salades et du coup, en un kilo, ça dure plus longtemps. Alors, les boissons. Tu as pris de l'orangina zéro. Voilà, non. Enfin. Schweppes. Oui, Schweppes, pardon, orangina, n'importe quoi. Enfin, c'est la même trempe. Donc, voilà, Springs zéro, saveur agrume, très très bon. Et ça change. Voilà. Et le pack de jus qui va bien, puisqu'on en avait plus. Et pour compléter, pour pas voir que du jus d'orange, la rose brique de multivitaminé en 2 litres. Et tu as voulu... Ouais, j'ai vu ça, ça me faisait envie. Oh, ça peut pas être mauvais. Ah bah non. On reste dans le thème pêche abricot, hein, et dans du jus, en plus du jus d'orange. Ouais. En 1 litre. Et le truc qui passe bien l'été... Le panache. Ouais. Mais on en avait pas encore repris. Non. Alors, entre deux, on achète aussi des fois de la tourtelle. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Mais là, j'avais envie de panacher. Ah oui, hein, on ne boit pas forcément. Ouais, non. Mais surtout l'été, c'est dangereux. Oui, ça cogne. Ouais. Et on va finir avec deux, trois trucs. Et ce sera bouclé. Du coup, on termine avec les œufs, voilà, élevés en plein air. Il n'y avait plus, on a, voilà. Bah, en fait, on s'est retrouvé dans la semaine à vouloir manger des œufs. On voulait en faire 4, il restait plus que 2, donc il a fallu racheter une petite boîte. Et puis j'ai dit, on va prendre de l'avant, comme d'hab, on va acheter notre plaquette. Bah, ça part vite, hein, la pâtisserie, la cuisine en général. Dans les salades ou avec des qualités en ce moment aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'on allait mieux avoir tout la main. Du voilà le pack de lait habituel, de mi-crémé. Là, il n'y avait pas de promo nulle part. On a regardé dans toutes les enseignes à proximité. Donc j'ai repris le classique. Alors,
le même prix que l'Eco Plus, le Marco Vert, donc bah, j'ai pris du coup le Marco Vert. Bon, toi tu préfères les bouteilles normalement, mais là tu feras avec les briques. Et on en a pris deux comme ça. Voilà. Nous avons fini. Ça tombera pas plus bas. Tout va bien. Donc voilà, on espère que ce petit retour de course vous aura plu. Voilà, encore désolé de vous saouler avec ça en ce moment, mais promis, on se rattrape. Là, à l'heure où on filme, on a prévu de vous faire une journée avec nous. Donc vous verrez sûrement avant ce vlog, avant ce... Voilà, ça y est, je m'éparpille. Avant ce retour de course, au pire, on vous redirigera dans le petit i, ici. Donc voilà, nous en voulez pas, on vous aime. On n'hésite pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire, à la partager, à partager la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut.